Et voilà, j'ai trouvé ça formidable. C'était très, très, très beau. Mais j'ai de la misère à croire là, que ça fait seulement 4 mois que vous êtes ensemble. Mais... Qui peut me dire, là, que c'est ça? Alors, ça fait... Ça fait 4 mois qu'on est ensemble, mais on travaillait chacun séparément de son côté.
Puis on avait chacun un band, un groupe. Puis chacun de nous s'est réuni un jour puis, pour un spectacle. Ah, ok. Si je comprends bien, vous aviez quand même de l'expérience avant former un groupe. Oui. Et pourquoi le nom Broken Dreams? Ben, Broken Dreams, c'est venu. On a cherché sur des cartes de Star Wars pour trouver le nom. Finalement, il a dit Broken. Moi, j'ai dit Dreams. Il a dit Broken Dreams. Ça s'est formé comme ça. Ben, ça a une signification, Broken Dreams, je pense. C'est important de le dire. Ouais. Ben, disons ce qu'on veut dire. Là. J'y pense un peu. C'est plutôt de... Les rêves brisés. Briser tous les obstacles pour que les rêves deviennent réalité, c'est ça, dans le fond. Oh, OK, parce que vous autres, vous avez beaucoup d'espoir. Vous voulez donner beaucoup d'espoir aux jeunes, là, je pense. On croit beaucoup en nous autres aussi, c'est pour ça qu'on... C'est ça. On ne veut pas seulement réussir, mais on sait qu'on va réussir, c'est ça. Vous voulez réussir, vous allez réussir. Vous en êtes en pensant positif, c'est définitif. Le titre, en passant, le titre de votre première chanson que vous nous avez interprétée tantôt était très joli. C'est quoi le titre? Sunshine Through the Storm. Sunshine through the storm. Oui. Bon, je vous pose une petite tuile, là. Est-ce que vous avez un jour l'intention de nous chanter des chansons françaises? Moi, j'en qui veut me répondre à ça? J'en ai une, justement, chanson française, que je dédie, justement, à une personne qui était pour moi très chère. Ah oui? Oui, qui est suicidée, qui est morte en ce moment. Ah oui, ça a paru dans un journal, parce que vous avez passé dans un journal, je pense. Hein? Oui, c'est dernièrement, tout dernièrement. C'est quoi ce journal-là? Ça, c'est à tout jeune. Ça passe, est-ce que c'est ça passe dans les écoles. Dans les écoles. Oui. Ah bon. Et puis, tu as raison, c'était ça, toi, hein, de pouvoir... C'est ça, pouvoir... chanter pour lui, là. C'est ça, ben pour pas l'oublier, pour, tu sais, y montrer qu'il est toujours là, même s'il est parti, tu sais. Parce qu'on l'aimait bien, quand même. Puis, c'est comme une marque d'affection. Peut-être, parce que je pense que j'ai peut-être pas dit assez souvent que je l'aimais, quelque chose comme ça. C'est son cousin. Chose qu'on fait jamais assez dans la vie, hein. Quand ça arrive, ben on y pense. C'était son cousin. À part puis, ça, ouais. Moi, j'aurais aimé ça le connaître. Ça a l'air d'être un bon gars. Puis, c'est des choses qui arrivent. Puis malheureusement, on parle trop tard. Tu sais. Par contre, il n'est pas trop tard pour faire un chant. Donc, chaque musique, ça signifie quelque chose. Yann. Pour moi, je veux parler. Non, c'est moi, madame. Ben, toi, c'est François. François-Yann et François. Eh, hey, mon Dieu, que c'est mélange. C'est ça. Chaque musique qu'on compose, ça a une signification pour nous autres, puis c'est très important. C'est plein de messages. C'est ça, plein de messages, excuse-moi. Puis comme Sweet Lady Anne, on a composé ça, c'est... On l'a fait à deux, Stéphane et François sont compositeurs, puis nous sommes auteurs. Stéphane? Stéphane et François sont compositeurs. Toi, tu fais la musique, hein? Ouais, non, eux ont fait la musique, okay. Compositeurs. Ah, explique-tu, François, qu'est-ce que ça veut dire, les paroles de Sweet Lady Anne qu'on va chanter tout à l'heure? C'est un peu banal, mais c'est l'histoire d'un gars qui court après une fille. C'est l'histoire d'amour, en résumé. Ah, oh, une belle histoire d'amour. Ouais, dans la traduction, là, je ne pourrais pas vous traduire mot à mot parce que... Est-ce que ça finit bien dans la chanson? Non. Il est encore sous le pied et il attend. Il attend encore. Eh bien, on ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Hein. Vous avez d'autres... Je sais que vous avez eu des subventions. C'est une subvention, c'est-à-dire pour... du gouvernement provincial pour étudier, quoi, pour travailler votre projet. Pour travailler notre projet, nous aider pour travailler notre projet, c'est... On veut aller en studio dans le supplément, mais là, avant, on entend une tournée à travers les écoles de la région des Moulins. Ça, c'est pour mieux connaître nos chansons, mais aussi pour divertir les jeunes, parce que... Je me souviens que quand j'allais au secondaire, sur l'heure du midi, c'était bien pénible. Ça va être distrait, puis pour nous autres, on va mieux apprendre nos chansons. Fait que, mais qu'on rentre en studio, on va être vraiment prêts. Est-ce que vous le faites déjà, là, dans les cégeps? On commence le 31 à Corbeil, le 1er, le 2 à la Blanche. Oh, dans les polyvalentes aussi. Oui, c'est ça. Oui. Vous allez commencer à chanter le midi pour les étudiants. C'est bien ça, parce que c'est vrai qu'ils ne savent pas quoi faire bien souvent. Ils sont assis un peu pénible, partout. C'est pénible. Oui, tu sais. C'est de la génération, malheureusement, où il y a trop d'enfants dans les écoles, hein, trop de monde dans les écoles. Mais là, vous, dans le moment, vos ambitions sont d'aller plus loin, de... De foncer. De foncer vers l'avenir. Un petit homme jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de plafond, là, on va dire, mais on va arrêter. Un jour. Mais oui, j'ai lu dans la recherche que vous voulez même en faire une carrière internationale. Oui. C'est votre rêve. Oui, c'est une des raisons pourquoi on compose en anglais. On s'est fait critiquer souvent. Ben, c'est mais sûr moi, j'ai toujours écouté les Beatles, les Stones, du YouTube, la musique anglaise. Fait que c'est difficile pour moi de composer en français. Je l'ai déjà fait, mais les résultats n'étaient pas bons. J'aime mieux attendre maintenant. Je me fais souvent dire que c'est important de protéger notre langue de chanteur français. Oui, je trouve ça très important aussi. Mais c'est que ce soit français,
anglais, chinois, italien, le message reste le même. Un message positif d'aller dans la vie, foncer dans la vie. Mm. Vous avez des rêves, vous avez des buts, ben faut les atteindre, les réussir. Mais c'est réellement réconfortant de voir cinq jeunes comme vous autres sains. Sain de corps et d'esprit, parce que je vous vois que vous avez des pensées qui sont très... Tous les mêmes. Ben, c'est ça, vous êtes pas mal en accord, tous les cinq, avec vos idées. Hein? Bien dans le groupe, parce que j'ai eu trois groupes, j'ai toujours joué avec Richard, mais les autres garçons n'étaient pas assez sérieux. C'est pas la même chose, vraiment comme un hobby, puis pour le fun. Puis qu'est-ce qui est dommage, c'est qu'à chaque semaine, on pratique, puis il y en manque un, il y en manque deux, c'est rien fatigant. Ça tape sur le moral du monde, parce que là, on était cinq dans le même cas. Parce que ça marche. Dans un groupe, il faut avoir vraiment la discipline, c'est très important. Puis il faut être là à l'heure, parce que quand on n'est pas à l'heure, ou bien on n'est pas là dans les pratiques, mais on se fait chicaner. C'est comme nos parents. On est cinq, puis on sait comme ça formerait un dans le groupe. Oui, hein? C'est beau, ça se voit. Ça se voit, vous regardez, là, on voit que vous êtes tous en accord, et puis que vous êtes réellement un groupe qui voulait arriver à un même but, puis vous le prenez, les moyens pour. Hein? Je vous le souhaite. Pouvez-vous... On ne fait pas pour l'argent en passant. Non? Pour l'amour de la musique. Un jour, ça se fait pour l'argent, j'espère. J'espère qu'un jour, non? C'est toujours, l'argent va toujours arriver un jour, mais c'est important de ne pas voir l'argent en partant dans la musique. Pour l'instant, moi, je dis des tours sur bas de la racine. Si tu vois l'argent tout de suite en partant, ce qui arrive, c'est que tu vas rester au même pont, bien tu vas aller jouer dans des clubs. Ça va être toujours plus facile de faire de l'argent dans d'un club. Justement... Ça n'en vient un boulot. Nous, c'est pas les clubs qu'on veut faire. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison parce que c'est réellement pas la peine. Vraiment, ça devient un boulot parce que tu es obligé de faire des chansons que le public réclame. C'est ça. Tu fais pas ce que tu aimes. C'est une job. Puis on dit toujours un musicien a déjà été débutant, fait que on commence. Vous commencez. Parce que je vous souhaite beaucoup, beaucoup de chance. Merci. Je vous souhaite tous les désirs que vous avez dans votre cœur. Je vous souhaite qu'ils se réalisent. D'ailleurs, vous êtes très positif. Je pense que ça va venir. Hein. Les jeunes qui veulent comme ça, on réussit un jour. Puis, puis votre nom, on va le retenir. Broken Dreams, retenez ça, tout le monde. Un jour, on va les voir pas mal plus, puis plus haut peut-être, je le vous souhaite. D'ailleurs, il y a aussi un vidéo qui s'en vient, je pense, hein, vous avez parlé, puis d'un 45 tours. Alors, voulez-vous tout de suite me dire le prochain titre de votre chanson, oui? Sweet Lady Anne. Sweet Lady Anne. Ça, c'est l'histoire d'amour. Ouais. Hein? Alors, on vous écoute avec attention. Bonne chance. Sure.